Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal et ce sera un plan with me du mois de mars. Vous avez ici un petit aperçu des pages que j'ai faites dans cette vidéo et je vous propose ensuite un pas à pas pour voir comment je réalise toutes ces pages. Ce mois-ci, j'ai choisi pour le mois de mars, évidemment, mois du printemps, j'ai choisi des fleurs. Rien de très original, mais j'adore dessiner des fleurs. C'est vraiment quelque chose qui me met en joie. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Pour réaliser ce plan with me, j'ai utilisé essentiellement ces trois feutres Tombow qui sont dans les tons de rose et de saumon. Ensuite, j'ai utilisé ce Jelly Roll 10 de la marque Sakura. Et pour terminer, j'ai utilisé deux Pigma Micron en différentes tailles. Et je me suis essentiellement servi de seulement ces feutres pour réaliser ce plan with me. D'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tracé parce que je voulais que ce soit assez harmonieux mes petites fleurs sur ma page. Et je viens tout simplement avec mon stylo Micron Pigma Liner les dessiner assez rapidement. Là, j'ai évidemment accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Clairement, ce plan with me m'aura pris à peu près 1 heure et demie à réaliser et à mettre en couleur. J'ai décidé de faire des petites fleurs, des feuilles et des petits boutons de fleurs. Et puis je viens inscrire le mois de mars et je fais toujours un ombrage sur le côté gauche ce coup-ci pour donner un petit peu de relief. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça change tout de suite au niveau de la typographie, c'est vraiment très sympa. Ensuite, je prends mon feutre Tombow un peu saumon et je viens remplir quelques détails. Et ensuite, je fais de la même chose avec le feutre fuchsia et également un rose très pâle. Alors, je ne pourrais pas vous donner les numéros de ces feutres parce que tout simplement, ils se sont effacés à force de les utiliser. Mais bon, vous pourrez les reconnaître assez facilement lorsque vous les achetez au détail, par exemple. Ensuite, je fais mon monthly log, toujours sous forme de tableau parce que c'est une organisation qui est très correcte pour moi. J'arrive vraiment bien à visualiser, donc c'est parfait. En haut, j'écris Hello Mars et ensuite, je viens refaire des petits doodles, toujours le même type de plantes et de fleurs. Ce coup-ci, j'en mets un petit peu sur tout le tour, sauf sur le côté droit, puisqu'à chaque fois, j'y fais mon petit cadre de notes. Au départ, j'ai écrit note au feutre et puis ensuite j'ai repassé au stylo parce que je trouvais que c'était trop clair. Et puis une fois que les petits doodles sont terminés, là encore, je viens rajouter un petit peu de couleur. Voilà pour l'essentiel de la déco de ce monthly. Ensuite, ce que j'ai souhaité faire, c'est mettre un peu plus de couleur. Et là, j'ai fait des grosses bandes en rose très très pâle et je suis venue mettre les chiffres de chaque jour en fuchsia et puis dans chaque case, c'est un petit peu long mais je viens inscrire le nom de chaque jour. Voilà, ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude mais je trouve le résultat plutôt sympa. Ça me permet vraiment de bien visualiser parce que lorsque je mets juste les noms des jours en haut une seule fois, ben je sais pas, ça m'aide pas, donc du coup je fais comme ça. Sur la page suivante, on aura mon habit tracker. Comme chaque mois je traque certaines de mes habitudes et j'aime assez cette présentation que je fais depuis 2 mois. Voilà, donc je viens refaire des mini mois en fait dans lesquels je viens ensuite dans chaque jour si j'ai effectué l'habitude que je traque. Je viens soit faire un point de couleur, soit une petite croix pour noter le jour où j'ai réalisé ceci. Donc je traque 6 choses et puis ensuite je viens faire des petits doodles pour rappeler le thème. Évidemment, vous l'aurez compris comme chaque mois. Je rajoute un petit peu de couleur. Toujours pareil, alors ces temps-ci j'arrive bien à tenir le thème du mois. Il y a des mois où j'arrive pas du tout et puis je passe vraiment du coq à l'âne, je fais un petit peu de tout. Et puis là j'ai un fil conducteur ces derniers mois et ça m'aide beaucoup.
Ensuite, je fais un mood tracker. Je me suis inspirée d'une illustration que j'ai trouvée sur Instagram. Je ne sais plus de qui elle est. Je n'arrive plus à mettre de nom sur la personne qui les a réalisées. Mais c'est une enveloppe avec plein de jolies plantes qui sortent de l'enveloppe. J'ai trouvé ça très poétique. Et du coup, je m'en suis inspirée pour faire mon tracker. Voilà, donc au départ, j'ai dessiné une enveloppe. Je viens faire plein de petites fleurs, plein de petites plantes à l'intérieur. Et puis, tout simplement, je viens rajouter les tout petits numéros qui correspondent à chaque jour pour tout simplement colorer en fonction de mon humeur. Je n'ai pas mis la légende ici, mais je la rajouterai plus tard. Sur la double page suivante, ce sera ma double page de gratitude. Toujours pareil, là, je vais mettre un petit peu de relief. Vous voyez, là, c'est assez simple. Hein. J'ai juste écrit gratitude, mis quelques petits décors pour rappeler le thème. Et ensuite, je fais des ombres en fuchsia. Voilà, à peu près cette page. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous voyez, les petits doodles, ils sont hyper simples à faire aussi. Donc comme ça, tout le monde peut les réaliser. Sur la page suivante, je fais mon petit cadre pour les vidéos. J'aime bien y noter tout ce que je poste, tout ce que j'ai tourné, monté ou publié. Donc j'y rajoute évidemment des fleurs et puis également le nom vidéo que je viens mettre un petit peu en relief avec mon feutre fuchsia. Voilà, ensuite j'aime bien mettre des espèces de masking tape comme ça, je trouve ça super mignon, j'adore faire ça, donc je les refais ici. Et en bas de la page, comme il me restait un petit peu de place, j'ai fait quelque chose pour les phases lunaires du mois. Sachant que ce mois-ci, je ne sais pas si vous l'avez vu, on aura une super lune le 9 mars, donc je vous encourage vraiment à regarder ce joli spectacle. Sur la page de droite, mon mood board. Alors, je ne l'avais pas fait le mois dernier et puis finalement, là, j'étais inspirée. J'ai vraiment regretté parce que je trouve que c'est super inspirant de pouvoir regarder voilà, ces images. J'aime particulièrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'image en haut à droite avec cette espèce de bol plein de belles fleurs de toutes les couleurs, pleine de peps. J'ai trouvé ça super mignon. D'abord, je positionne mes photos pour voir un petit peu, pour les organiser de la meilleure façon qui soit. Et ensuite, je viens tout simplement les coller. L'essentiel de ces petites images que je découpe viennent de magazines ou tout simplement du magazine Happiness que j'adore. J'ai collé ce tout petit lapin, je l'ai trouvé trop mignon. Et puis finalement, je l'ai retiré pour mettre juste une jeune femme au bord d'une espèce de ruisseau. J'ai trouvé ça beaucoup plus printanier. Ensuite, premier exemple de weekly. Donc là, j'ai réalisé des petits cadres. C'est assez rapide aussi à faire. Et sur le centre, comme vous pouvez voir, j'ai laissé une bande volontairement pour pouvoir faire des fleurs pour rappeler le thème. C'est très facile à faire et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Donc je fais mes petits doodles et puis enfin je vais venir colorer. Comme vous pouvez le voir aussi, je mets des petites notes, mais ce coup-ci j'ai dessiné un petit bocal. J'ai trouvé ça beaucoup plus joli. Et puis je rajoute des couleurs, du fuchsia, du saumon, toujours pareil, toujours dans cette même harmonie que je trouve très poétique. Ensuite avec le feutre blanc, je rajoute les noms des jours en blanc. Et j'ai fait des petites pastilles saumon dans laquelle j'écris les numéros du mois. Deuxième exemple de weekly, peut-être que ça vous donnera une idée supplémentaire. J'ai tout simplement fait des bandes de couleurs avec au début toujours des petits doodles, des fleurs. Voilà, pour reprendre le thème tout simplement. Ça peut peut-être vous donner des idées pour présenter différemment. Et puis j'écris le nom des jours et puis ensuite je viens colorer et j'ai décidé d'écrire en gros les chiffres correspondant à la semaine. Voilà pour terminer ce que ça donne. On a les pages que j'ai réalisées en accéléré que vous pouvez apercevoir ici. Voilà, je trouve que c'est
Hyper apaisant, ce thème me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et me partager votre avis. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite évidemment un très joli mois de mars et plein de belles choses. Un beau printemps et puis profitez-en bien. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, à bientôt. Bye bye.